Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Marois. Oulin, qu'est-ce que tu as toi? Tu es en train de cramer. Tu vas pas faire tes devoirs, non. Ouh loulouloulou. Ouh louloulou. Viens là. Mais il fait nuit. Dépêche-toi. Tu vas cramer. T'es bête. Donc, voilà. C'est ce que tu vas faire. Tu vas creuser. Mais arrête, retourne pas dehors. Mais quelle est bête. Toi aussi, tu vas creuser. Vous allez creuser là. Pendant que vos parents, eux, ils vont risquer leurs pieds. Leur pied. Leur peau. Leurs pieds. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ah, ils sont déjà ici. Essayez de passer. Non. Là, on a des plants de haricots noirs. Des bananiers plantains. Ça, c'est pour les petits. Hein. Non, il peut pas. Maman, est-ce que tu peux récolter? Récolter bananes plantains. Récolter avocat. On donnera aux petits. Tu vas examiner ça. Faudrait pas qu'on se fasse électrocuter, hein, quand même. Donc oui, la dernière fois, on avait commencé à valdinguer dans la jungle et on est atterri sur ce joli petit temple. Donc voilà. Ah, tu pouvais pas passer par là. Qu'est-ce que tu me fais? Caleb, arrête de prendre des libertés avec ce que je dis et ce que je fais. Vous êtes des Sims, vous obéissez. Donc bah là on va voir pour pouvoir passer et faire ce qu'il faut pour Alors, certains déclencheurs n'ouvrent pas la porte, mais que c'est d'accord. C'est Zénor, elle est déjà niveau 2, c'est parfait. Marois, activé. Alors, lui dit peut-être le glyphe feuille. Ok. Et ici. Alors, racontez une blague de squelette. On n'en sait pas plus. Ok. Tu peux étudier pour un point. Ce serait pas mal. En fait, on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas trop de choses à regarder. On ne sait pas trop. On risque notre vie, encore une fois. Hein. On ne sait pas. Regardez, c'est mystérieux. J'adore. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu... Mais elle fait ses devoirs. Et toi, tu l'aides à faire ses devoirs. Mais non, mais c'est pas le lieu là. On est dans la jungle. Qu'est-ce que vous faites vos devoirs? C'est simple, c'est bien hein, de vouloir travailler et tout. Oh, regardez la lune dans le reflet. C'est super sympa. On va tenter. Mince, je commence à faire nawak. D'activer dans le glyphe feuille. Elle est marouate. Arrête d'aider ta fille. Le glyphe feuille, c'est ici. Viens, 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 viens. On veut savoir si tu vas être encore empoisonné ou pas. Oh, t'as tiré une main de squelette? Non, c'est pas bon. Oups. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mauvaise activation. Marois, ça donne avance protégeant le temps, mais désormais hantée par des visions, ce qui la rend très agitée. Ah, bah zut alors. Sont où ces visions? Activer. En fait, c'est pas du tout ici qu'il faut activer. D'accord. Donc c'est vers ici. Tu vas venir là. C'est Caleb qui va tenter le coup. Activer. Raconter une blague de squelette. Raconter une blague de squelette. C'est quand même plus sympa de raconter une blague que de dire d'accuser des trucs. Ah! Il rigole! Oui, Caleb a esquivé les défenses du temple et la porte s'est ouverte. Il peut désormais s'aventurer plus loin dans le temple pour voir quelles récompenses l'attendent. Oui, c'est trop cool. On va pouvoir descendre. Alors, vous pouvez tous venir. Donc, non, ici. Toi, qu'est-ce que t'as? Ah, mince, à la fin. Ouais, c'est chiant ça. Ah ouais, c'est très chiant. Il n'y a personne à manger dans le coin. Hein. Il va falloir que tes parents te donnent. Marois, tu vas lui donner des plasma fruits ou des trucs comme ça. Hop. Tu pourras te nourrir des plasma fruits. Ce sera déjà pas mal. Tu vas me manger tout ça. Tu viendras aussi creuser ici. Et donc, Marois est ici. Très bien. Caleb, il est où? Et avec son fils. Bon, ben son fils, il peut venir là, hein. Enfin, son fils. Leur fils, hein.
Aidan peut venir sans problème ici. Alors, il y a plusieurs choses à regarder. Il y a l'air de... Il devait y avoir un truc ici, mais il n'y en a plus. Tu vas examiner ça. Que examiner ça? Alors, on peut pas examiner autre chose. Non, on ne peut pas examiner autre chose. Donc c'est... on va devoir ruser. Aïe, aïe, aïe. Et quel est bout? Tu peux créer un site de fouille, s'il te plaît, ici. En tout cas, pour l'instant, ses visions, ça va, hein, ça l'affecte pas trop. Hein. Alors, on n'est pas certaine que certains déclencheurs activés. On sait pas. Mince. Comment on peut savoir? Il y a des trucs à déchiffrer. On est dans le truc soleil en même temps. Hein. Il y a beaucoup de soleil. Ah, putain. Offrir une relique pour passer? J'ai jamais eu cette interaction-là, donc on va regarder. Mais arrête, Caleb! On s'en fout de ta vie, Caleb! Souhaitez-vous utiliser la relique de chaos de Palampazo pour passer? Elle sera détruite une fois utilisée. Ouais, on s'en fout. Regardez-moi ça. Ouais! Ah, mais c'est trop bien! Mon petit Aidan, il peut pas creuser. Ah, il est chiant, hein. Tu peux rien, ils peuvent rien faire, les gosses. Tiens, tu vas creuser là-dedans. Toi, tu creuses déjà là. C'est bien, tu creuseras ici après. Alors, finalement, je suis venue avec les gosses, mais c'est plus une plaie qu'autre chose, hein. J'aurais dû retourner qu'avec Marwa et Caleb, au moins. C'est beau, toute cette végétation. J'aime trop les fougères. Nous avons une autre porte. Ah, on a des trucs à examiner ici. Calebout, tu vas t'occuper de ça. Et Marouat, tu vas t'occuper de ça. Allez, au boulot. Ils sont tellement rapides, ces Sims, hein, franchement. Voilà, on a le plan de la prochaine salle. Mais voilà. Marouat a découvert que certains déclencheurs n'ouvrent pas la porte. Caleb a découvert ce mécanisme. D'accord, ok, donc Caleb a trouvé lui par contre. Activer, faire une offrande, tête de. J'ai oublié, j'ai pas regardé. Tête de flèche, alors qu'on est dans la feuille. D'accord. Il doit y avoir un truc logique, je pense. Hein. Voilà. Oui! Oh là là! Mais c'est parfait! Ils sont parfaits! Ah, encore un truc, tiens, tu vas. Non, pas activer, tu vas examiner. Ici. Mais. Ah, il y a un coffre, un trésor! Il y a un trésor! Marouat, tu vas examiner ici. Avant d'aller au trésor, on va examiner ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non! Ah non, mince! Oh, attendez. Je me suis gourée! Toi, tu creuses. Je me suis gourée. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais on s'en fout des recherches, Marouat! Ah, qu'elle est bête. Tu vas examiner là? Ouais, je me suis gourée de Sims encore. Alors, on a Pelvis et Skeletto. Mais c'est. On n'avait pas Pelvis déjà aussi la dernière fois? Plus de choix, vampire. Non, mais. Normalement, t'as les connaissances salvadoriennes. Tu peux lui dire bonjour de façon. Salvadoriennes, voilà. Présentation salvadoriennes. Pourquoi d'un seul coup Marwa les a plus? Tu examines, hein? Ok. Ça, Pelvis. Oh, il y en a, il est enjôleur, ça y est, ça va plus. Complimenter l'art. Oh, j'adore. Salut local, voilà. Donc, Calebout, t'avais découvert que certains mécanismes. Donc, peut-être dans le truc arbre, alors qu'on est dans le truc lama. Oh oui, charisme. Oh, et puis il y a celui-là aussi. Tiens, tu peux examiner du coup. Pendant que Marois taffe sur le prochain. Que certains des déclencheurs. Raconter une blague de squelette. Ok. Bah tu vas m'ouvrir ça déjà. On est là. Qu'on voit ce que tu récupères. Le merveilleux trésor à la prière ancien. Ok, super, t'as trouvé quoi?
Soda de Faraday. Cette boisson pétillante supprime les effets désagréables de rencontres et un peu trop fréquents d'agressions. Ah! Si on prend un coup dû. Bénédiction de richesse. Ouais, Zaza Totote, le. Ça, je me souviens bien que c'est de la merde. Bénédiction et assistance squelette, ça, ouais. Ça, on l'avait déjà. C'est des trucs qu'on avait déjà, hein. De toute façon, on verra bien. On verra bien ce qu'il adviendra. Tu vas manger un coup. Et tu vas te reposer un petit peu. Ah non, il veut dormir dans le buisson. Mais non, Marouat, voyons. Tu vas te présenter à Pelvis quand même? Plus de choix. Mais ouais, mais. Écoute, chaleureux, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ben mange, mec! Oh, il est chiant. Mange. Et mange un avocat. C'est très bon, les avocats. Par contre, dormir, ça risque d'être compliqué. On n'a pas ce qu'il faut. Tu vas sortir. Je pense pas qu'il y ait un buisson ici. Ah ouais, mais il peut pas dormir dans le buisson, lui. Il peut que pisser dedans. Bah écoute, Aiden, il casse les couilles en même temps, toi. Tu fais chier, toi. T'es le seul qui est là, tu fais chier. On t'a mangé? Ça va mieux? T'es plus fatigué? Va faire pipi. Alors, faut qu'on s'occupe peut-être un peu du passage de la du truc. Ah, puis c'est un poison en plus. Activer. Alors, il faut pas activer les trucs là. Il faut peut-être mettre un truc à arbre ou raconter une blague de squelette. Sauf qu'on l'a déjà fait la blague de squelette. Donc j'ai envie de dire glyphe arbre. Allez, Marwa, tu vas te sacrifier. Devant le. Ah oui, c'est bon. Devant son fils, il aurait été traumatisé. Ah, mais c'est trop beau avec les pierres qui scintillent comme ça. Oui, ouvrir le coffre au trésor. J'espère qu'on aura beaucoup de trucs, hein. Exploration du temple terminée. C'est good. Allez, tu vas voir l'autre temple. Alors, on aura récupéré pas mal de choses, hein. Une base de reliques de l'observateur. Ah, ça, c'est. On n'avait pas encore eu. Oh, une grenouille! Et une réplique de palassin. Ok, et lui vient lui faire un bisou, bien sûr, comme d'habitude. Ça, on peut rien faire. Ok. Tiens, tu sais ce que tu viens faire là? Et tu vas te prendre une photo de toi-même. Tu vas te prendre un selfie. Prendre un selfie. Mais. Ouais, voilà, avec. T'as raison. Je voulais que tu le fasses avec le. Donc tu viens ici, Marois. Viens là. Tu viens là. Tu vas prendre un selfie. Avec Caleb derrière, mais c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Non, mais. Ah, pas possible cette fille. C'est pas grave, hein. T'as pas d'appareil photo sur toi d'ailleurs. Non. On n'a pas. Ah si, mais normalement si, t'as un appareil photo sur toi. Tu fus t'attends. Je t'en avais acheté un. Hein. On avait été faire des photos. Ah bah elle l'a plu, hein. Il a récolté pas mal de trucs, hein. Base de relique de l'observateur. On a deux assiettes. On a trop de trucs. Toi aussi, tu vas manger. Bon, bah on a fini le temple. Ça va, il était sympa, celui-là, il était simple. On va, du coup, se créer un site de fouille. Toi, ça va pas trop. T'es encore en train de creuser? Ouais, faut absolument que tu manges tes trucs, là. T'en as mangé qu'une. Allez! Hop! T'es en train de créer un site de fouille et vous allez venir. Allez, creuser! Creuser! Ça veut dire récupérer pas mal de trucs. Et Aidan, il s'est chié, il attend. Par contre, si tu dois l'eau de toilette, mon petit Aidan, là, tu peux aller dans le. Dans le buisson à pipi, là. J'en ai vu un là. Voilà, tu peux aller là. Et hop, il a. Un vase non identifié, un masque non identifié. Ça va au moins ça.
Ah, mais t'avais un truc d'énergie, il semble aussi. Tu bois ça, stop. Voilà, ça te remonte un peu l'énergie, mais c'est pas trop ça, quoi. T'as pas trop de trucs à manger, mais tu peux manger. Je sais pas, moi, dors quelque part, mais toi, fais-toi un trou dans les fougères. Le gamin super relou, quoi. Allez, on creuse en famille. Ça va un peu mieux, tu pues. Faut que tu te nourrisses encore un chouille. Et puis, faudrait que tu te ressources aussi, ma petite. Une petite méditation obscure ne sera pas de refus pour toi. Mais bon, vous êtes à trois là-dessus, donc ça devrait aller. Lui est parti nager, il se dit ouais, tant qu'à faire. C'est quoi tout... Ah, c'est des pissenlits. Je les ai vus bourgeonner d'un coup là, c'était rigolo. Ouais bah lui, de toute façon après à la journée, vu qu'on peut rien faire la journée parce que sinon on a Azénor qui crame. Donc en fait, on va rentrer et lui dormira et puis on sera à la maison quoi. Tranquille ou bilou? Ah bah ça y est, ils ont fini. Ok, elle fait sa petite récupération. Parfait, il va faire jour, donc on va rentrer tout doucement à la maison. Lui aussi, il est parti nager. Ah bah voilà, tout le monde va nager, quoi, tout, c'est cool. Et là, tu grognes. Bon, toi aussi, tu manges un coup et tu peux te ressourcer. Non, tu manges juste, tu te ressourceras, on aura le temps quand on fera rien à la maison, donc ce sera pas mal. Allez, on rentre au logement où on pourra se reposer pendant que le soleil tape très très fort sur la peau des Sims et que Azénor, sinon, elle cramouille. Et nous revoilà le long de l'île, le long de l'île de l'eau. Toi, tu vas direct prendre un bain de mousse. En plus, tu vas mourir. Toi, mon petit, t'étais crevé. Tu vas aller te coucher, je crois. Je sais plus quelle c'était, c'était celui-là. Allez hop, au dodo. Voilà, tu vas devenir un vrai vampire. Tu vas dormir la journée. Caillebout, tu peux manger. Toi, tu peux te ressourcer. Ok, d'accord. Méditation obscure. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Mais voilà, ben voilà, t'as fait de la merde, tu veux avec ton verre d'eau, là, t'as vu ta fille à poil. Non mais... Mais bouge de là, idiote! Oh mais bon sang, c'est Sims, va ici. Oh là 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 là. Merci pour ces moutettes pourries, Marois, merci vraiment. Et puis, ben, tu peux te rhabiller, s'il te plaît, Caleb, histoire que, bon, voilà, tu es... Et tu vas nous authentifier un vase. Elle, voilà, elle sait plus où se mettre, hein, elle peut plus se détendre tranquillement. Lui, il est parti dormir et elle, elle se repose assez énergiquement. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'escapade en famille à Selvadorada avec Marois. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!